Et bonjour à tous, bienvenue pour la suite de notre petite série sur Academia School Simulator. J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver. Et bah aujourd'hui, on attend l'arrivée de nos étudiants patiemment, hein, en espérant pouvoir réinjecter un chèque de plus 1000, parce que là, l'air de rien, c'est un petit peu la merde. On a des charges en eau et en électricité, en bouffe, en tout en fait, hein, plus la masse salariale. Un petit peu gras tout ça, un petit peu gras, et même si on remplit une deuxième salle de classe, on sera à 2000 en entrée, et du coup on va pas amortir malheureusement les 2696 de sortie d'argent. Donc là il y a un peu d'inquiétude, on va dire, un tout petit peu d'inquiétude, donc j'espère que ça va le faire. En tout cas très content de vous retrouver, et très content de vos retours, merci à tous. Par rapport au premier épisode. Et là, ce que l'on va faire, Trash Can, normalement c'est pas très cher, voilà, 5. Je sais que c'est pas très sexe, hein, mais écoutez, on va rajouter 2 poubelles ici. Comme ça j'en ai 1, 2, 3, 4. Ah, ça y est, changement de jour. Donc là, je vois vraiment le changement de jour. Très bien, bref. 1, 2, 3, 4, on disait. 5 et 6. Voilà, comme ça mes 6 poubelles sont planifiées au niveau de l'installation. Les concierges. Il m'en faut 4, ce qui m'emmerde c'est que j'en ai 2 et si j'en recrute, bah, je vais mettre une belle pointe au niveau de la masse salariale, quelque chose d'assez dégueulasse, mais il me les faut, hein, de toute façon, hein. Il va me les falloir. Et ce qu'on va pouvoir faire dans l'immédiat, c'est voilà, leur créer une petite salle, un petit espace, ici on avait dit, boum, où ils vont pouvoir s'installer. Alors, kitchen, sink, table et chair x4, parfait. Donc, hop, on filtre, où est-ce que c'était ? Ici, très bien. Alors, kitchen sink, c'est de la flotte en fait, hein, c'est ça. C'est un robinet pour pouvoir se laver les mains. Ouais, ok les mecs, hein, bon, y a pas de souci. Et ensuite, une table. On va faire ça. C'est peut-être que je fais un peu de zèle au niveau financier et que c'est pas le moment, mais au moins, ça fait une salle avec de l'espace. Et l'équivalent de 8 chaises, donc bon, à voir. Je sais pas si c'est une bonne décision que j'ai prise ou pas. Par contre, voilà, pour l'instant, je suis toujours dans le wait and see. Et regardez, comme d'habitude, les mecs arrivent. Ils commencent pas par aller étudier, mais ils commencent par aller bouffer. Direct, 1, 2, 3, 4, 5... Merde, j'ai pas... 1, 2, 5, 6, 7, 8... 9. Ouais, on est à 10 étudiants, là, on n'est pas à plus, hein. On n'est pas à plus, on est à 10 étudiants. Donc, j'ai quand même hâte ici qu'on ait... une deuxième salve, parce que là je suis un peu inquiet, et j'ai 2 profs, hein. J'ai 2 profs de dispo, janitors, j'en ai 2, donc il m'en faut 4. Quel est le prix du recrutement? 600, et ça me coûte 500 par jour. Bon, les 600 je les amortis, et les 50 par jour, ouais, tu me diras. Si c'est propre, j'ai plus trop de merde par terre, mais bon, il te manque quoi toi? Ah oui, il me manque la porte, bien évidemment. Bien évidemment, donc staff door, ici il n'y a que le staff qui peut rentrer. Voilà, comme ça, ça va me valider une nouvelle quête. Et surtout, je vais pouvoir en lancer une autre, parce qu'à chaque fois, en faisant ce genre de tâches, moi, ça me permet de récupérer du fric, hein, quand même. Hein. Vous l'avez vu lors du premier épisode. Tuition income, plus 2500. Par contre, arrival tomorrow. Ok, donc les prochains arrivent demain. C'est ce qu'il est en train de me dire. Pour l'instant, il faut que je serre les fesses et je n'ai pas plus d'étudiants. D'accord. Forcément, on gère une école, donc si on n'a pas d'étudiants, j'ai envie de te dire, pas de fric qui rentre. Hein. C'est un peu comme Prison Architect, si t'as pas de prisonnier. Si t'as pas de prisonnier, bah forcément, tu t'as pas de fric non plus. Bref, ok, le concept me va, le principe me va bien. Il est 9h du matin, donc ouais, je suis en train de penser si c'est logique, hein, ils vont à la cafette prendre le petit-déj en fait. Hein. C'est assez logique en fin de compte, hein, c'est assez logique. Bref, qu'est-ce qui me reste? Enfin, qu'est-ce qui me reste? Quelle est la suite plutôt? Clinique, le problème, ce qui me fait peur. Nurse, c'est 900 à l'embauche et c'est 75 par jour. C'est pas donné. C'est pas donné. Et ensuite, j'ai la clinique à faire. Très bien. Donc, on va annuler gentiment pour l'instant. Ensuite ici, Build Club. C'est quoi un club? Ah si, c'est un club étudiant en fait, d'accord. C'est juste un club étudiant où ils peuvent se retrouver, et genre le club d'informatique, le club de je sais pas quoi, d'accord. Alors ça peut être sympa parce que voilà,
il me balance 2500 et dès qu'on a terminé, il me balance à nouveau 2500, ce qui me fait 5000. Donc, on l'accepte. Ah, d'accord, parfait. On va se remettre sur tout doux. Et comment est-ce que j'organise la suite de mon école? Ça, c'est une très bonne question. Parce que je pense qu'avoir les classes au même endroit, ça peut être sympa. Ici, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir un couloir avec, genre, par exemple, 3 de large. Et j'aurai 1, 2, 3, 4 salles de classe ici, par exemple. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Alors, on va essayer de délimiter pour l'instant les choses, histoire d'y voir un peu plus clair. Et donc, ici, on aurait ça. D'ailleurs, je peux fermer ici, hein. Je peux fermer. D'accord. 1, 2, 3. Donc, en gros, je pourrais mettre le truc ici. D'accord. On peut faire ça comme ça. Hein. On peut faire ça comme ça. Et le club, c'est du 5 par 5 au minimum. Ouais, hein, en soi, ça me va. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et le mur est ici. Hop, voilà, on a la porte ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Attends, merde. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai bien les 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, à mon avis, on va faire ça. Comme ça, parfait. Et après, je pense que ce qui peut être sympa, ce serait d'aménager le sol ici et d'avoir des couloirs. Pour l'exemple, on va faire un petit bout qui me coûte pas trop de thunes. Voilà, ici par exemple, avoir du bois pour faire pour modéliser les couloirs et peut-être après entourer tout ça avec des murs de briques ou un mur de type extérieur. Donc ça, on va regarder après. Pour l'instant, on va placer notre door, notre sol. On fait les choses bien au fur et à mesure. Hein. Et au niveau des zones, on a dit qu'il leur faut un club. Voilà ton club, table share. Ah bah ça va, il me faut pas grand chose, donc j'ai pas besoin de faire aussi gros que ça pour le coup. Hein. Mais bon, c'est pas trop grave, parce que ici, on va pouvoir en mettre plusieurs. Donc par exemple, une là, une là. Une là, une là, voilà. Écoutez, hein, là-dessus, et allez, il y a le club de poker, le club de ce que tu veux. Voilà, on blinde. On a de la capacité ici, on peut avoir des élèves. Alors, ça aurait pu être sympa de pouvoir mettre une poubelle, mais c'est vrai que du coup, vu comment la salle est organisée, je vais avoir du mal à en mettre, malheureusement. Mais bon. Ah, tout doux, il est terminé, super. Donc, on a validé une nouvelle quête. Parfait. On est toujours en négatif. Attends, tu peux virer, toi ? On est toujours en négatif. Hein. Les élèves n'arrivent pas, donc je sais pas si ça vaut le coup, en fait, de continuer à s'étendre au niveau des salles. Aussi, il vaut mieux pas que je temporise en fait le temps que les nouveaux élèves arrivent, surtout s'ils arrivent 24 heures après. C'est un peu déstabilisant là, je sais pas trop comment il faut gérer les choses et dans quel ordre surtout. Alors, tiens, ça tu peux le virer. Ici, il me dit. Donc, clinique, nurse, forcément, si les élèves sont malades, ça peut être pas mal. Librairie et computer lab. Atteindre les 50 étudiants. Alors, pour atteindre les 50 étudiants, il me faut plus de salles de classe. Pour avoir plus de salles de classe, là, typiquement, junior salle de classe. Donc, là, ici, il me faut une salle de classe de type junior. On peut, à la limite, déjà aménager une salle de classe supplémentaire. En soi, ça ne me dérange pas. Le truc, c'est que, pour l'instant, les profs, eux, vous voyez qu'ici, là, ça me coûte quand même bonbon. Et pour l'instant, eux, voilà, elle, typiquement, t'as vu ce qu'elle est en train de faire, elle, là, Mika et la divine, là, elle est en train de teaching dans le vent, là. Là, il se fout de ma gueule, voilà. Salut, regardez, voilà ici le cours de la journée. Mais attends, il n'y a personne, mec. Sérieusement, quoi. Eh, d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc, j'espère que le problème vient pas de là, mais j'ai pas de porte ici. Non, il me l'aurait mis, sinon. Il m'aurait mis le petit point d'exclamation, comme quoi j'ai pas de porte et ça pue du cul, hein. Normalement, hein. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On met un coup de boost au niveau du temps. Ouais, je pense qu'on va mettre un coup de boost au niveau du temps. Mais en attendant, on va déjà accepter, hop, celui-ci. Histoire de tout de suite attaquer une salle de classe supplémentaire. Classe junior. Tac, paf. Voilà qui est fait, parfait.
Pas clinique, pas librairie. Pourquoi je trouve pas? Voilà, salle de classe. Très bien. Donc, voilà une salle de classe. Voilà. Parfait. La chaise, on va la mettre ici. Ok. Hop, 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 hop. Ok, nickel. Et ensuite, là, on en profite et on anticipe tout de suite. On leur met, voilà, une belle poubelle pour qu'ils puissent aller y balancer leurs déchets. Par contre, je vais pas faire la même erreur. Je vais pas recruter tout de suite un prof ici. Par contre, ce que je peux faire d'avance ici au niveau des juniors, c'est commander d'ores et déjà 10 étudiants supplémentaires. On va faire ça. Ensuite, petit coup de boost. Bof, gros coup de boost. Ouais, ça a l'air d'avancer beaucoup plus. Pour l'instant, j'essaie plutôt de bourrer un peu le temps pour voir ce que ça donne. C'est un petit peu le wait and see. Hein. Ah bah tiens, le club, il y a du monde là. Par contre, vous avez vu, il commence déjà à balancer du déchet par terre. Donc heureusement que j'ai des mecs qui viennent pas faire le ménage. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas de poubelle dedans... Ouais, je suis un peu... pas sceptique, mais... j'aurais dû prévoir un peu de place pour mettre une poubelle. Le truc, c'est que j'ai peur que si je mets une poubelle ici contre le mur, j'ai un peu peur que les élèves après buguent un petit peu et arrivent pas à s'asseoir. Hein, parce que on l'a vu un peu dans Prison Architect, les petits PNJ comme ça là, ils se retrouvent vite bloqués un peu comme des merdes. Voilà, changement de jour, c'est exactement ce que je voulais. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Logiquement, on va avoir. Où est-ce que je le vois déjà? Ici. Arrival, today, yeah! Ok, donc arrivée de nouveaux élèves aujourd'hui, c'est exactement ce que je veux. Oh purée de merde! Ah mais je crois que j'ai pas géré en fait là. Je crois que j'ai pas géré du tout, mais regardez-moi ce dawa quoi. Donc là, au final, le club, il est pas du tout adapté. À mon avis, la cafétéria va pas être du tout adaptée non plus. Ça va être Bagdad. Je sens que le truc, là... D'accord, donc là, là, on est dans un virage. Ah, par contre, je suis en positif. Oh, shit. Ah, ouais, super, d'accord. Là, par contre, tout de suite. Teacher... Ah, je sais pas qui prendre, en fait. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Ouais... 70 en sciences, franchement c'est legit, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça me coûte un peu moins cher que les autres qui sont assez vénères. Donc on a un prof ici qui est affecté, là est-ce que c'est le bordel? Un petit peu, ouais, c'est un peu cracra. Et du coup c'est dispatché, ok on est bon, donc j'en ai 10 ici, 10 ici et 10 ici, donc ça c'est pas trop mal. Par contre on est toujours en négatif, hein. On n'arrive pas à choper l'équilibre ici. Hein. Donc on a toujours un salaire qui est assez élevé. Utilities, ça, ça a pas bougé. Et la bouffe, je pense que bah forcément c'est proportionnel, donc ça doit être un petit peu plus élevé au fur et à mesure que j'intègre de nouveaux étudiants. Ce qui me paraît logique. Ok. En tout cas, c'est déjà moins critique et moins bordélique que ce qu'on avait à la base. Donc 20 étudiants, complete. Sur quoi on peut avancer? Quoi on peut avancer? Faculty room. Ah, les teachers... Ah, les profs ont besoin d'un espace pour déstresser, en fait. D'accord. Ouais, bah écoutez, y a pas de souci. Je vais vous prévoir le truc. Il y a pas de problème. Faut bien que vous puissiez souffler un petit peu, parce que, bon, ça tape sur le système, ces petites bêtes-là. C'est pas de tout repos, donc moi, ça me va. Dans l'immédiat, par contre, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le club, on a plutôt intérêt à l'augmenter au niveau de la taille. Parce qu'on a vu quand même que ça allait vite. Et quand les étudiants sont arrivés, ils ont pris d'assaut le truc. Et ça s'est vite retrouvé, on s'est vite retrouvé avec quelque chose d'assez bordélique. Donc on va déjà s'occuper de ça dans un premier temps. Ensuite, la deuxième étape, je pense que les chiottes, ça va. J'ai pas vu de gros rush au niveau des chiottes pour l'instant, donc ça va. Kitchen... J'ai encore de la place, donc s'il faut rajouter un frigo, je peux. S'il faut rajouter un truc comme ça, je peux aussi. Et je pense que ça permet de suivre le débit. Par contre, la cafétéria, j'ai peur qu'elle soit beaucoup, beaucoup trop petite. Clairement. Et il y a des chances que... qu'il va falloir que j'attaque assez rapidement une deuxième cafette. Ici.
Tac. Les objets. Je vous fais ça rapidement, les mecs. Je vous fais ça rapidement, vous inquiétez pas. Là, vous êtes entassés comme des animaux dans un petit espace. Mais voilà, papa vous prépare ce qu'il faut. Voilà. Deuxième espace. Hop. Et hop. Voilà. Super. Bon, c'est pas grave, hein. C'est coupé et scindé en deux. C'est pas trop grave en soi pour l'instant, hein. On est à 50 000 au niveau des thunes, et je crois que quand on commence une partie, on est soit à 50, soit à 55. Donc on va dire que pour l'instant, ça va encore, grâce aux petites quêtes qui sont ici. Par contre, je pense que vous avez dû l'observer et le constater comme moi tout à l'heure, il nous reste plus beaucoup de quêtes qui nous rapportent du fric quand même. C'est-à-dire que là, bientôt, les subventions, je vais plus en avoir ici. Donc j'ai plutôt intérêt à rapidement trouver ici un équilibre qui me permet d'être en positif. Sinon, à mon avis, je vais commencer à en chier. Il y a de fortes chances d'ailleurs que je passe un mauvais quart d'heure à ce rythme-là. Donc on serre un tout petit peu les fesses. Je... 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, donc 8, 16... 16 c'est tout ça, donc 16 x 2 ça fait 32. Donc là j'ai, ok, donc là ces deux espaces là me gèrent ces trois classes vu que j'ai 32. Donc là dessus ça veut dire que ça c'est équilibré avec ça. Donc là dessus pour l'instant pas de souci pour moi, ça va bien. Les chiottes, encore une fois j'ai pas vu de rush. Kitchen, je pense que ça peut valoir le coup de l'upgrader un tout petit peu et aborder la technique du wait and see pour voir ce que ça va donner avant d'en faire une deuxième. Pour l'instant je veux pas faire une deuxième cuisine. Ce qui m'inquiète le plus c'est la cafette en fait. 1-1-1 parce que la cafette ils peuvent y manger à 8. Ah ça va assez vite quand même. Il y a un bon roulement quand même, hein. Il y a un bon roulement. Mais est-ce que c'est le bordel? On va regarder un petit peu quand même. On va regarder un petit peu. Ah, c'est le temps que les mecs ils nettoient et débarrassent, c'est ça? Pourquoi vous attendez quoi en fait là? Pourquoi vous vous asseyez pas les mecs? Mes charges ont augmenté, c'est quoi là? Pourquoi mes charges ont augmenté? Putain, j'ai pas vu. 360, ça c'est pareil. Ça, ça m'a l'air d'être... Ah, j'ai pas vu. J'ai l'impression que j'ai plus de charges qu'avant. Hein. Ok, donc là ça a sonné, reprise des cours. Et je pense que lui, il a pas bouffé. Food, zéro. Allez mon gars, à la diète. À la diète. C'est comme ça que ça se passe à la maison. Tu vas étudier, tu m'emmerdes pas. Alors je suis pas sûr qu'il réfléchisse mieux le ventre vide. Oh merde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a la moitié qui n'ont pas pu bouffer. À vue de nez, j'ai la moitié des élèves qui n'ont pas pu manger ce midi. Alors ça, c'est problématique. C'est problématique. C'est assez problématique. Parce que si ils ne bouffent pas, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont péter des câbles. Péter des câbles, et puis bah bien évidemment hein, enfin, de toute façon je vais avoir un souci de toute façon hein. Je vais forcément avoir un souci, donc 1, 2, 3, attends j'ai du mal, 1, 2, 3, 4, 5, putain ils vont rebouffer, 1, 2, 3, 4, 5, donc hop, hop. Je peux pas les enlever ça? Ah si, avec un clic droit. Moi j'ai pas été assez rapide, c'est pas grave. Je suis en train de réfléchir, mais je vais pas faire 5 en fait. Je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est une connerie. Les grandes tables font 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3 et 4. D'accord, donc je peux mettre chaise. Table, ça fait 1. D'accord, donc chaise, table, chaise. En gros c'est ça. Sauf que là, ici, ça, je le mettrai de ce côté. D'accord. D'accord, donc table, chaise, table, table, chaise, table. On va prendre les murs, ce sera plus simple. Donc chaise, table, chaise, chaise, table, chaise. D'accord, chaise, table, chaise. Donc ça donnerait ça. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mon calcul. On va être rapidement fixé. Voilà, comme ceci.
pas Kitchen, parce que Kitchen c'est ça. Hop. Parfait. Est-ce que j'ai posé la porte? Je ne me rappelle plus. Voilà, on la pose. Et ici, on va leur dire que c'est une cafette. Boum! Maintenant, reste à voir si je me suis planté dans mon calcul ou pas. Ce que je n'espère pas. Donc, on a table ici, table ici, table ici. Non, je suis bien là. Je suis bien là. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. Ok, on n'est pas trop mal. Et il me reste après donc le food counter et plate. Donc ce truc là il est assez gros, c'est ça qui est chiant en fait. Hein. Et on va faire ça. Et les plates. On va en mettre deux comme ça. On va voir ce que ça va donner, écoutez. Hein. En tout cas là, ça leur fait un espace qui est quand même beaucoup plus conséquent. Hop, voilà. Et beaucoup plus sympa. Vu le rush. On est toujours à moins 454. Donc il y a un petit truc. Je crois qu'il y a un petit truc qui a augmenté. Parce que je crois qu'on devait être à moins 360 ou une connerie comme ça. Donc je sais pas d'où vient le delta. Mais bon, écoutez. Hein. On va gérer ça comme ça. L'autre question maintenant, ça va être est-ce que la cuisine va suivre le débit pour pouvoir alimenter la cafette ici et la cafette ici? Ça, je sais pas trop. Par contre. Tiens, c'est marrant ça. Ils sont venus chercher leur plateau dans cette cuisine pour aller la poser ici. C'est assez rigolo, tiens. Alors moi, ça me va. Hein. Du moment qu'ils se posent et qu'ils bouffent, moi, je m'en fous. Hein. Ça me va bien. Hein. On va mettre une poubelle ici, avant de sortir. Moi, ça me va bien. Hein. Tout ce que je veux, c'est que tout le monde bouffe. Je vais pas vous entendre aller. Hop. Ah, je peux pas mettre la poubelle ici, dommage. Je voulais feinter en mettre une deuxième, c'est pas grave. Ok, est-ce que tout le monde a mangé? Ah, non. J'en ai quand même un ou deux qui rentrent à la maison sans avoir bouffé. Alors j'espère que vous avez bouffé ce midi, hein, parce que si vous n'avez pas bouffé ni ce midi, ni ce soir, effectivement, ça risque de poser problème. Ça risque de poser un gros problème. Object, j'ai vu qu'on avait ici poubelle, benne à ordures. On va en rajouter une deuxième ici dans la zone de garbage parce que j'ai l'impression que ça suit pas forcément. Ok, bon bah écoutez, hein, on va voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Je pense qu'assez rapidement... Je l'ai remis à zéro ça ou pas? Ouais, je l'ai remis à zéro. Assez rapidement, il va falloir qu'on regarde pour créer une nouvelle salle de classe. Et il se trouve que en salle de classe, il me reste des seniors. Donc je sais pas du coup ce que ça veut dire, mais... À mon avis, c'est genre, je sais pas, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Et les seniors, c'est les 3ème. Quelque chose comme ça. Et les seniors, on pourra les mettre ici, dans cette salle de classe. Et du coup, logiquement, je dis bien logiquement, je vais me retrouver avec 4000 en revenus. Ce qui devrait normalement m'amortir toutes mes charges qui sont ici. Malgré qu'il y a un prof supplémentaire qui va être à recruter. Je vais être à 40 élèves. 40 élèves. Merci l'écran. 40 élèves, logiquement, dans les chiottes, j'ai pas vu de rush. Cuisine plus cafette, quelque chose me dit... Enfin, en tout cas, j'ai tendance à croire que ça devrait suivre avec l'upgrade qui a été fait aujourd'hui. Enfin, là, à l'instant. Par contre, c'est les clubs. Les clubs, je sais que ça va pas être assez. Maintenant, est-ce que c'est problématique? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais bon, bref. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est surtout de stabiliser la partie finance. Donc, c'est vraiment le plus important. Bah écoutez, voilà, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura bien avancé, on aura fait une belle salle ici de travail. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé l'épisode du jour. Je vous fais tout plein de beaux bisous. Si vous êtes toujours là, c'est que vous cartonnez. Et puis bah je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, bisous et tchou tchou.